Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous montrer, malgré que cette vidéo ait été peut-être faite des centaines de fois, voire des milliers de fois en français, je vais vous le montrer quand même, ne vous plaignez pas. Je vais vous montrer comment installer un pack de textures et une map sur Minecraft. En tout cas sur Minecraft craqué ça marche, parce que moi c'est un Minecraft craqué que j'ai craqué. Donc après peut-être que sur une version HD je pense que ça marche aussi. Donc juste avant de passer au crack, enfin au tutoriel je veux dire, je vais vous montrer comment on va faire. Je voudrais juste dire que je me suis acheté un casque Trust avec un micro sur internet. Donc il marche vraiment bien, juste un petit résumé. Il a un design assez plaisant avec un micro. Donc j'espère que ça va optimiser ma voix et qu'on va pas entendre... Il a un truc suppression de bruit pour ce qui se passe autour, donc j'espère vraiment qu'il va bien marcher. Et je me suis également acheté une souris sans fil pour cause que l'autre ne marchait plus. C'était une Laptech, je crois que j'avais. Là, je me suis racheté une Logitech sans fil. Là, je sais la référence, c'est une M345. Donc c'est une souris sans fil, couleur vert wasabi, avec une roulette de défilement hyper fluide vers le haut et vers le bas, et également vers la droite et vers la gauche pour les pages précédentes suivantes. Donc elle a un design également assez plaisant. Je pense une souris qui tient bien à la main, elle est vraiment très douce, ouais, elle tient bien en main. Donc voilà, c'était juste un petit résumé pour vous dire ce que j'avais acheté. Maintenant, je vais vous montrer comment installer un pack de textures. Donc, on se rend sur minecraft.fr, le lien sera bien évidemment dans la description. Et pour ce tutoriel, vous aurez besoin de WinRAR, que vous pourrez télécharger sur Clubic ou commentcamarche.net. Donc, je pense que vous pouvez chercher ou à la limite, je vous mettrai le lien dans la description. Donc il vous faut WinRAR et après vous allez, après l'avoir téléchargé, installé, vous allez sur minecraft.fr, vous allez dans ressources, texture, en dessous de mode, le deuxième, on va dans texture et on va choisir un pack de texture à télécharger. Donc moi personnellement pour que ça aille plus vite, je les ai déjà téléchargés, donc c'est des fichiers qui se téléchargent en archive RAR, donc c'est vraiment très simple à télécharger. Puis après je vais vous montrer, il faudra extraire les fichiers avec WinRAR, enfin juste pour la map, mais je vous montrerai. Donc on va dans texture, attendez ça bug un peu. Hop. Donc je coupe la vidéo et je me retrouve juste après. Et donc nous revoilà sur ressources, pack de texture. Et là nous avons plein de packs de texture, donc moi personnellement j'ai téléchargé celui-ci, le Blub Pack, donc qui est vraiment sympa. Sinon il y a le Creative Ones Medieval. Prenez les derniers parce que les derniers qui sont sortis sont vraiment sympas. Je ne les ai pas tous testés, mais j'en ai testé quelques-uns. Ils sont vraiment sympas. Donc moi, j'ai gardé le Blub Pack pour cette vidéo. Donc vous téléchargez, en fait, je ne vais pas vous expliquer parce que mon ordi bug. Mais vous cliquez par exemple, si vous voulez télécharger le Blub Pack, c'est un pack 16x16. Vous cliquez dessus, il y a une grande description avec plusieurs lignes. Vous descendez à la description et il y aura marqué télécharger le lien. Et vous cliquez sur télécharger, donc c'est vraiment pas dur. Hein. Vous téléchargez et après vous mettez l'archive sur votre bureau. Donc Blub Pack, la voici, je la déplace sur mon bureau. Elle est ici cette archive. Donc pour la craquer, pour la mettre dans votre dossier Minecraft, pour qu'elle puisse être utilisée, je dirais, vous allez dans démarrer et vous tapez %appdata%. Donc appdata, appdata. Donc %appdata%. Et ils vont nous afficher un... ils vont nous afficher un dossier roaming qu'on va cliquer dessus et on va aller dans les archives Minecraft à la racine. Donc faut attendre un peu parce que des fois ça met un peu plus de temps que d'habitude. Moi tout à l'heure ça allait assez vite. Donc je coupe la vidéo, je vous retrouve juste après. Donc nous revoilà, donc il suffit tout simplement de taper pourcentage appdata appdata pourcentage. Donc c'est vraiment très simple. Après vous cliquez sur roaming, le fichier qui s'affiche dans démarrer. Donc désolé si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est mon frère qui parle hein, avec des gens derrière. Donc après nous atterrissons sur ceci, je vais mettre comme ça. On va cliquer sur point Minecraft qui se situe tout en haut en première page. Donc nous cliquons dessus et il y a plusieurs dossiers affichés. Il y a bin, resource, save, state, texture pack et texture pack MP cache. Donc à ne pas confondre, nous allons bien évidemment prendre le texture pack. Et non le texture pack MP cache. Nous avons cliqué dessus. Et comme vous pourrez voir, il n'y a rien dedans. Je n'ai pas encore de pack de texture. Donc écoutez, c'est très simple. Je prends mon Blub Pack, l'archive RAR. Je la prends et je la fais glisser
dans ce dossier. Et vous allez voir que ça va copier-coller. Et voilà. Le pack de textures est fonctionnel désormais. Vous pourrez l'utiliser dans votre Minecraft. Donc c'est vraiment génial. Désormais, voilà, je retourne en arrière. Vous pourrez voir après tester que ça marche vraiment bien. Maintenant, je vais vous montrer, mesdames et messieurs, comment avoir une map. Donc c'est différent, mais vous allez dans ressources, toujours sur Minecraft.fr. Et cette fois-ci, nous aurons besoin d'une rare. Vous allez dans ressources, map. On va aller sur les maps et on va choisir une map à télécharger. Donc pour ma part, il me semble que j'ai choisi la Lost in Pyramid, qui est vraiment pas mal. Je l'ai testé aussi. Par contre, pour les maps, j'ai testé qu'une map. J'ai pris la Lost in Pyramid ici présente. Donc, pareil que pour le pack de textures, vous cliquez, il y aura une longue description. Et en bas de la description, il faudra cliquer sur télécharger le lien, un truc du genre. De toute façon, c'est une ligne et il y a un lien dessus. Vous cliquez et c'est un lien Mediafire, il me semble. Vous téléchargez, ça met 10 secondes. Et vous la mettez sur votre bureau. Donc cela donne une archive comme celle-ci. Donc Lost in Pyramid by Zonly M Company. Donc personne que je ne connais pas d'ailleurs. Mais voilà, je l'ai trouvé sur internet. J'ai trouvé sur Minecraft.fr, je veux dire. Donc vous la téléchargez. Vous la mettez sur votre bureau. Vous faites un clic droit. Donc vous avez bien évidemment téléchargé WinRAR précédemment. Vous faites un clic droit sur cette archive RAR, désolé, et vous faites extraire ici. Donc, une fois l'extraction faite, ça vous donnera ces deux fichiers. Lost in Pyramid Map et Texture Pack Lost in Pyramid. Donc, écoutez, il me semble qu'il faut supprimer un des deux fichiers, mais je ne me souviens plus lequel. Donc, vous pouvez mettre les deux, de toute façon, ça ne changera rien. Que vous mettez le seul bon ou les deux, ça ne changera rien du tout. La map marchera bien. Donc, vous allez à nouveau dans AppData, Roaming. Attendez, je vais rapetisser la fenêtre pour qu'on voit bien ces trucs. Voilà. Donc, ensuite, on va dans AppData, Roaming.minecraft, toujours tout en haut, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, nous n'irons pas dans Texture Pack, mais dans Save. Donc, Save qui est ici, présent sur ma souris. Nous double-cliquons dessus. Et vous pouvez voir qu'il y a tous mes mondes. Donc moi j'ai deux mondes, un en créatif, un en survie. Donc la Master Map World, c'est un monde que j'ai créé, je lui ai donné ce nom, je sais pas pourquoi. C'est mon monde en survie, il me semble. Et j'ai créé en mode création, désolé, et mon monde survie, c'est White Killer World 88. Car oui, je suis vosgien. Comme vous l'aurez peut-être remarqué à mon accent. Mais c'est pas grave. Et vous prenez Lost in Pyramid, donc les deux fichiers sans uterant. Donc écoutez. Je vais les mettre là, je vais les déplacer pour pas prendre le torrent avec. Voilà, on va le mettre là. On va également le mettre là. Donc attendez, je reviens. Non, c'est bon. Donc en fait, on prend Lost in Pyramid et on le met là. Donc en fait, je n'ai pas besoin de l'autre fichier, hein, je viens de m'en souvenir. Il faut bien mettre Lost in Pyramid Map dans le dossier et vous verrez que cela marchera parfaitement. La map sera active. Vous irez dans solo, multijoueur. Enfin, vous verrez. Je vais peut-être bien faire un test d'ailleurs. Je vais peut-être bien le lancer et tester avec vous. Donc écoutez, vous allez voir que ça marche parfaitement. Donc, on se retrouve tout de suite sur Minecraft. Je vous dis à tout de suite, les amis. Bon, bah écoutez, les gens, c'est pas grave. Ça fait 10 minutes que j'essaie de lancer mon Minecraft, mais il ne veut pas se lancer. Hein. C'est le problème quand on a des ordi un peu pourris. Des fois, j'ai un peu de mal à le faire tourner. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé une astuce sur Internet où on changeait un peu les codages de son registre et où vraiment on baissait son ping et on augmentait son FPS. Et franchement, ça a bien marché parce que quand j'arrive à lancer mon Minecraft, ça ne bug plus d'un chouïa. Donc, c'est vraiment génial. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer comment que cette map marche bien. Mais je peux vous jurer que cette map marche bien. Également, le pack de textures. Je vous le jure. Ayez confiance. Donc bon bah écoutez, c'est pas grave. Moi je vous dis à la prochaine. Vous pouvez liker si je vous ai aidé ou si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter pour me remercier ou pour me dire ce qui allait pas. Vous pouvez également vous abonner pour me remercier. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Justin, avec la page Justin357. Sur Twitter, avec mon Twitter, Monsieur Jules Elite, MJU en majuscule comme d'habitude. Donc likez, commentez, abonnez-vous. Allez, à plus. Peace and love.